Bon, pour vous accueillir, on a des brioches feuilletées aux algues. Pour se montrer. Profitez-en. Merci. Merci. Bon, quelques amuse-bouches pour se mettre en jambes. Sur la fourchette, on a une aile de riz qui est pochée avec mayonnaise citronnée, sarrasin soufflé pour pied. Et dans la cuillère, on a un tarama qu'on a réalisé avec des œufs de cabillaud fumés. Un pain au levain naturel de la boulangerie au petit pain nantais, rue Jean Jaurès. Et je viens vous déposer juste à côté, on a un beurre au capre pour accompagner le déjeuner. On débute avec un peu de fraîcheur, on a reçu de très jolies coques ce matin. Coques qui proviennent de Carnac, du golfe du Marais. On l'accompagne des coques autour des courgettes, des différentes textures. Et puis ici, on vient juste apporter cette soupe. On a une soupe de crabe et langoustine. On servait la soupe froide il y a quelques jours, puis là. Comment ça se fait ? Bonne dégustation. Ici, j'ai reçu des très jolies dorades royales. D'accord. Donc, on a une cuisson qui est toute douce sur ces dorades. On la sert froide, on l'accompagne d'un travail autour du concombre, de l'aubergine, et puis juste avec des pignons de pain torréfiés et à gastache. Super. Lucas, bonjour. Je m'appelle Lucas Vadet, je suis le troisième cadet, ancien collègue de Tristan, le frère de Charles. En brasserie dans le 18e et au Frenchie de Grégory Marchand dans le 10e arrondissement de Paris. J'ai rejoint l'aventure des cadets il y a un peu plus d'un an maintenant. Voilà. Je veux carottes de la ferme de l'Alouetterie. C'est des producteurs qui sont pas loin d'ici. On vient juste déposer un crème de carotte à côté. Super. Tu auras la silicone, Chloé ? J'adore ça. Silicone, là on a des petites moules de la plaine sur mer. Tu fréquentes le marché de Talensac, non ? Ou... Bon, plus à titre perso. Voilà, ouais. Non, parce que c'est, il est sympa. Oui, c'est juste à côté d'ici. Donc, là. On a des poissons, donc on a un lieu jaune de ligne qui est confit dans un beurre noisette. Donc on a le beurre qui est tout lit à 60 degrés. Nous on l'a commencé un peu avant la cuisson. Quand elle est finie, on vient juste la réserver voilà, dans la table chaude. Et on a la cuisson qui indique sa température. Chloé, ouais. Tu peux lui remettre un tout petit coup de chaud. Ça fait vraiment une cuisson hyper délicate. Hein. Je te fais confiance. Et là, on finit, on a un fumé de poisson qui est réduit à glace, monté au beurre. On vient juste apporter un fumé de carotte, une pointe de muscadet et de jus de citron pour accompagner le poisson. Et on le beurre. Et voilà. Lieu jaune de ligne. Pêché sur l'île du Gouard en l'occurrence, confit au beurre noisette. On l'accompagne de carottes, moules de la plaine sur mer et salicorne. Super, on y va demain soir. On continue avec une basse-côte de vache nantaise. Donc, la vache nantaise, c'est une race qui a failli disparaître. Il y a quelques années, il y a quelques éleveurs qui se sont mobilisés pour renouveler les cheptels. Ici, on est sur une basse-côte avec une maturation de 6 semaines. On l'accompagne d'une pomme de terre, des oignons roses d'armorique qui sont confits juste grillés, on finit avec du chou kale et des anchois marinés pour accompagner le beurre. C'est un accord que j'aime bien. Là, j'ai un petit pain de gêne à la noisette. Ici, j'ai une ganache montée qui est parfumée à la sauge. Parfume à la sauge dans le dessert. Ouais, j'infuse la ganache montée avec de la sauge. Quelle sauge? Sauge ananas? Ah non, classique. Ouais. Classique. On a du goût. Et puis ici, on a fait confire de la tomate. On a ces jolies pétales de tomate. Hein. C'est entre les belles. Confit dans un petit sirop parfumé.
c'est une tomate... Tomate ronde, de pleine terre. Ouais. Voilà, qu'on a en ce moment. Pas une variété Mais j'aime bien parce que on reste sur un fruit rouge. Et on peut le travailler en dessert assez facilement. La tomate est un fruit. Voilà. Faut pas l'oublier. Et puis pour jouer avec un autre fruit rouge, on a des jolies fraises qui poussent pas loin d'ici. Là, on les met au naturel. C'est pratiquement les dernières là. On va en avoir encore tout le mois de septembre hein, en vrai. Elles mettent un peu plus de temps à mûrir, mais je trouve que parfois elles sont justement encore plus intéressantes. Bah après, ça dépend des variétés, parce que tu as des variétés remontantes, donc on en a un petit peu plus. Après, c'est pareil, bah, c'est qu'en fait en ce moment, tu as quand même de la fraise de pleine terre qui est encore bien. Quoi. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Que la fraise de pleine terre. Ouais, pas, non, mais. Je veux pas entendre parler des fraises. C'est pas toujours le cas. Donc on a de la tomate, on a de la fraise. On finit juste avec un sorbet. Et là, on a un sorbet fraise. Et on a remplacé l'eau du sorbet par un jus de tomate. En fait, il y a tous les cœurs des tomates qu'on n'a pas utilisés, qu'on mixe, on récupère le jus et on remplace l'eau du sorbet par le jus de tomate en question. Comme ça, on a vraiment utilisé tout le produit. Voilà, c'est les bols à Baco, mais en synthétique maintenant. Ils les proposent en inox et en synthétique. Exactement, mais surtout en sauge. Et là on vient juste apporter une huile de sauge. On continue à jouer sur l'accord. Ah, ils sont pas loin d'ici qui me font ces pousses. Et là on a des pousses d'agastache. Agastache ? Ouais. Je vais chercher un peu la fraîcheur. Et voilà. Bon. Il est tout bon. Et donc on retrouve ce dessert avec tomates confites, fraises de pleine terre, on a un pain de gêne noisette, on a une ganache montée parfumée à la sauge et on finit avec un sorbet fraises et tomates. Bonne dégustation. Merci.